Bonjour, chronique littérature, science-fiction. En fait, la troisième reprise de mes chroniques pour le numéro 86 de Bifrost qui ont été mises en ligne sur le blog de la revue et que je développe un peu plus maintenant sur mon blog personnel et sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on touche à une autre de mes préoccupations, hein, la littérature japonaise, puisque je vais vous parler maintenant de Les hommes salmonelles sur la planète porno, et oui, de Yasutaka Tsutsui. Pour le lecteur francophone, la science-fiction littéraire japonaise est largement terra incognita, même si quelques très rares exceptions peuvent être relevées çà et là. Dans ce registre, Tsutsui Yasutaka n'est pas le plus mal loti. Le présent petit ouvrage étant le cinquième livre à son nom publié en français, et le second chez Wombat après le très déconcertant et tout à fait fascinant Hell en 2013. Des publications qui illustrent la diversité de l'œuvre de l'auteur. Pas grand-chose de commun entre ce dernier roman, celui qui nous intéresse ici, est par exemple le classique de la littérature jeunesse, voire enfantine, La traversée du temps. Probablement son plus gros succès, avec le roman Paprika, jamais traduit de par chez nous en dépit de sa célèbre adaptation en animé par Kon Satoshi. En même temps, en l'espèce, titre et couverture sont éloquents. Les hommes salmonelles sur la planète porno. WTF, comme disent les jeunes. Oui, mais pas seulement. Et finalement, il s'agit d'un livre, disons une novella, bien plus subtil qu'on ne le croirait tout d'abord. Et par ailleurs, ce texte de 1977 est bien un récit de science-fiction, avec tout ce que la science-fiction peut apporter de meilleur, et jusque dans sa dimension de parodie érotico-comique. Aussi, encouragera-t-on le lecteur à dépasser ses éventuelles préventions à l'espèce, et la relative lourdeur éventuellement imprématiste d'ailleurs qui s'exprime çà et là, regrettable sans doute, peut-être inhéritante au genre érotico-comique, et tout particulièrement sensible ici, dans une série de jeux de mots, mots-valises, etc., qui sont autant de casse-têtes de traduction, même s'ils ont leur raison d'être. Nous sommes sur la planète Nakamura, nom qui lui fut conféré par l'équipe japonaise qu'il avait découverte et explorée initialement. Mais pour tous ceux qui en ont entendu parler, c'est le nom de planète porno qui est employé pour la désigner. Parce que sur cette planète, c'est l'orgie permanente. Toutes les espèces vivantes, animales ou végétales, semblent passer leur temps à copuler. Et surtout, elles ne copulent pas qu'entre elles, mais avant tout entre espèces différentes. Il y a là tout un complexe écosystème reposant intégralement sur le sexe et interespèces. Tableau qui ne manque pas de déconcerter les scientifiques japonais qui y conduisent leurs recherches. Cela va en fait plus loin. Chez plusieurs d'entre eux, cette obscénité de Nakamura suscite une haine profonde. La planète est vicieuse. Ces espèces sont vicieuses. Le mot revient sans cesse dans les premières pages de la novella, et toujours par la suite simplement moins souvent. C'est un jugement d'ordre moral, a priori pas très scientifique en tant que tel, mais dont ne démordent pas nos savants nippons, tous un peu coincés du queue, disons-le. Ou presque. Notre narrateur, le professeur Sona, n'est sans doute pas aussi obtus, mais avec ses raisons particulières sur lesquelles nous reviendrons. Et bien sûr, il y a Yohachi. Mais Yohachi n'est pas un scientifique, plutôt une sorte d'homme à tout faire, et d'ailleurs il baisse tout le temps. Aussi est-il l'objet du mépris des savants, et doublement encore. Il ne peut qu'être leur inférieur, à tout point de vue. Le problème, bien sûr, est que cet écosystème vicieux peut s'en prendre aux humains. Entendre par là aux scientifiques japonais, précisons-le, car on trouve aussi sur la planète des Nunudiens, autochtones d'allure étonnamment humaine, pas agressifs, mais qui ont formellement interdit aux explorateurs de pénétrer dans leurs terres. Cela devait arriver, la seule femme de l'expédition, plutôt non, la seule femme scientifique, le docteur Shimazaki, est enceinte. Non d'un membre de l'expédition, après tout, mais de quelques spores issus d'une plante locale dite en grosse veuve. Qu'importe si la scientifique n'est pas veuve, elle n'est pas vierge et c'est bien suffisant. Car c'est bien d'un écosystème qu'il s'agit. La copulation interespèce endémique sur la planète porno n'est pas un simple passe-temps, aussi vicieux soit-il, mais contribue bel et bien à la perpétuation des espèces locales. Ceci à un point dont les chercheurs japonais n'ont pas confiance. Le docteur Shimazaki ne doit pas accoucher. Au fond, on ne sait guère ce qu'elle en pense, ce sont les hommes qui en débattent, figurez-vous. Mais que faire? Dans ces circonstances, avortement ou césarienne semble hors de portée du médecin d'expédition, un charlatan, et le rythme de vie de la planète est tel qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour empêcher l'accouchement. L'idée se fait jour, et les Nunudiens doivent savoir que faire. Mais ils interdisent leur territoire à ceux qui ne pensent pas comme eux. Bah, Yoachi est assez pervers pour leur convenir, mais il faut qu'ils soient accompagnés par des hommes ayant, quant à eux, un cerveau, et pas seulement un pénis très actif. Des hommes qui seront ainsi à même d'aiguiller les recherches du Cotard, lesquelles doivent porter uniquement sur le cas dramatique du docteur Shimazaki.
L'accompagne donc le professeur Sona et le docteur Mogamigawa, homme têtu et borné qui n'a que le mot vicieux à la bouche. Nos trois aventuriers quittent alors la base pour rejoindre plutôt l'état nunudien qui leur est interdit. Leur odyssée miniature est pour tous l'occasion de se frotter à l'écosystème pervers de la planète porno, avec toutes ces espèces aux noms étranges, faisant référence à des espèces terriennes souvent bien différentes. Alligator pilleur et crocopile à l'heure, tatami hippopotame et myosotriste, touche pipette et engrosse veuve. Des dénominations qui sont autant d'échos de l'humour quelque peu navrant d'un des premiers explorateurs et présentés comme tel. La randonnée sur un mode craintif qui n'est pas sans sel est forcément riche de rencontres incongrues aux conséquences burlesques. Mais il y a plus. En fait, au premier rang, ce n'est pas l'action qui l'emporte, mais le débat scientifique. Et c'est ainsi que les hommes salmonelles sur la planète porno adoptent une voie médiane entre parodie de SF et SF parodique. Tsutsui Yasutaka a en effet bel et bien élaboré un écosystème extraterrestre complexe qui n'a sans doute rien à envier aux plus grandes réussites du genre. Or, c'est vrai aussi bien sous l'angle des images, avec cette faune et cette flore si spécifiques, que sous celui des idées. Les deux scientifiques de l'expédition nunudienne ne cessent en effet de débattre, et assez violemment. La nature profondément dérangeante de l'écosystème de Nakamura, et tout particulièrement dans sa dimension sexuelle, avec des corollaires aussi variés que la perpétuation des espèces ou la part de l'agressivité dans le comportement vivant, amène Sona et Mogamigawa à lutter intellectuellement. La science y a forcément sa part, mais peut-être tout autant son instrumentalisation philosophique, du moins, peut-être même politique, et non exempte d'une certaine dimension religieuse, disons. La théorie de l'évolution contre celle de la dégénérescence, Darwin et Lorenz, Freud et Jung, autant d'icônes auxquelles les savants militants font appel pour tenter de comprendre ce qui se passe autour d'eux, selon une grille de lecture relevant peu ou prou de la foi. Or, la planète semble porter à nier les points de vue quelque peu prosélytes et finalement pas si scientifiques que cela, de l'un comme de l'autre. Et derrière tout ça, la raillerie, oui, mais peut-être aussi autre chose. Une éthique sexuelle dérivant plus ou moins de délires hippies gentiment moqués, mais en fait repris et transcendés dans une optique libertaire. Les préjugés les plus conservateurs sont impitoyablement moqués, et si le progressisme en la matière n'est pas non plus exempt de tout reproche, demeure tout de même à la fin cette idée d'un amour admirable, dans la chair comme dans l'esprit. Pourquoi opposer les deux? Et construisant un modèle utopique où l'agressivité n'a plus lieu d'être. C'est l'orgie, si vicieuse, qui devient parfaitement morale, en témoignant même d'une moralité d'un ordre supérieur. Make love not war, oui, mais avec absolument tout le monde, et autant que vous le voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez. Qu'ils sont bêtes ces terriens qui se cachent pour aimer, comme si c'était quelque chose de honteux, et qui s'imposent tant de règles au nom d'une prétendue décence parfaitement irrationnelle, et qui n'a absolument pas lieu d'être. Une novella à la croisée des chemins, donc. Parfois un peu lourdingue dans sa dimension érotico-comique, elle n'en contient pas moins de belles images et de belles idées. Le ton un peu moqueur y participe d'ailleurs. Le résultat n'est certes pas inoubliable, mais il est aussi bien plus qu'une mauvaise blague lubrique, et jusque dans sa façade de parodie, c'est une belle création SF, tout à fait digne qu'on s'y arrête.